Seigneur, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. I am so glad Wangaogo, mon digne fils très cher de gloire. Tu as béni mon enfant. Que Dieu te lève encore. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta future femme, ma fille de gloire. Je l'ai eu aujourd'hui depuis le Maroc. Où elle est? Demeurez bénis, mes dignes enfants de gloire. Il dit la chanson de ma femme lui donne les frissons. Maintenant, on s'en va à 100 à l'heure. Attention, attention. Quel que soit le canal dans lequel on t'a mis, je suis là avec le plan pour te faire sortir. Les monstres de la tribu de Judas présentent un message audio du prophète Brice de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film, et puis on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur le rêve du film. Si depuis longtemps les gens de ta famille, Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. Ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. Il y a un seul côté qui joue. Au nom du foyer, de la pauvreté, des échecs, du blocage, du chômage, de la maladie. Ce message prophétique est nouveau. Il est là. Je refuse ma situation. Si je refuse.
situation. Si je refuse ma situation, ma vérité sans grâce, sans sida, yes. Santé, célibat, sans on peut le mettre ici en même temps. Ah, il y a mes légers à la fin. Non, pourquoi? Parce qu'on a attaché la porte. On a attaché. C'est à tout mot ventre à votre radio. Les radios fréquences vives. Zénith FM, La Voix Sainte, Abidjan, Côte d'Ivoire. Et marque cassette chrétienne à 1000 francs CFA seulement. Mettez-vous bleu, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225-05-64-78-32 plus 225-01-48-47-54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu vas pas mourir comme ça. Tous les mercredis de minuit à 1h30 et les samedis de 22h30 à minuit sur Zénith FM 92.8. Alléluia! Alléluia! Nous sommes le temple du lion de la tribu de Juda. Nous sommes à Koumansikan Commando Carrefour Petit Marché. Il dit bien Koumansikan Commando, vous demandez le carrefour du Petit Marché. Petit Marché de Koumansi. Arrivez au carrefour, ce qui va vous montrer que vous êtes bel et bien au carrefour. Vous allez voir la pharmacie Bethany. La pharmacie s'appelle Bethany. Longez la ruelle de la pharmacie Bethany jusqu'au Maki Baoulé Kejibo. Nous sommes en face, en hauteur. La seule église en hauteur. Koumansikan Commando, carrefour Petit Marché. Derrière la pharmacie Bethany, en hauteur, face au Maki Baoulé Kejibo. Le premier dimanche du mois, dès qu'on a fait un nouveau mois, le premier dimanche, c'est un seul culte. Toutes les églises viennent se réunir et nous faisons un seul culte de 9h à 13h. Les autres dimanches du mois, après le premier dimanche, les autres dimanches, c'est 3 cultes. Le premier culte commence à 9h, il finit à 10h30. Le deuxième culte commence à 10h30, il finit à midi. Et le dernier culte commence à midi, il finit à 13h30. Temple de Jésus, le lion de la tribu de Juda. Je reçois tous les mercredis, tous les jeudis et tous les vendredis. À partir de 15h, je suis au bureau à l'église. Je reçois sous rendez-vous avant de venir, appelez-moi. Mercredi, jeudi, vendredi, je reçois. Mercredi, à partir de 15h, je reçois. Appelez-moi avant de venir au 0801-6507, au 0564-7832. Toute la gloire à Dieu, le Père, par la puissance de l'Esprit, au nom tout puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Pousse des cris de joie, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, abrégé BYS, leader de l'Église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement des dignes fils de Jésus, le lion de la tribu de Juda. En ce jour béni, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour le directeur de la radio Zénith FM de Makori, M. Ncho, sans oublier mon coach physique, Soumaïla Kwaku, qui m'épaule depuis 4 ans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour la vie? Que Dieu bénisse mon neveu, Choco Kloubali Foramba, qui est là, et puis mon guerrier Labine. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs, de l'heure de l'amour, la vérité, la puissance. Tous les mercredis, nous sommes là, sur les antennes de la radio de Makori, Zénith FM 92.8, par la grâce et pour la gloire de Dieu. Tous les mercredis, de minuit à 1h30. Retenez bien, tous les mercredis, de minuit à 1h30. Et tous les samedis, je dis bien tous les samedis aussi, de 22h30. À minuit. Je vais demander à tous ceux qui ne dorment pas, tous ceux qui sont éveillés, quel que soit le lieu où vous êtes, de prévenir vos frères et de vous dire que l'espace amour, vérité, puissance a commencé. Envoyez déjà vos sujets de prière. Nous allons prier pour vous. Au plus 225-08-01-65-07.
08 01 65 07 ou au 05 64 78 32. 05 64 78 32. Je vais prier pour vous par la puissance de l'Esprit et au nom tout-puissant de Jésus. Si l'esprit de sorcellerie te fatigue, l'esprit de célibat te fatigue, l'esprit de stérilité te fatigue, problème de foyer te fatigue, problème de loyer te fatigue, problème de scolarité te fatigue, la pauvreté te fatigue, échec et blocage te fatigue, chômage, maladie et envoûtement mystique. Si ces choses-là se retrouvent dans ta vie, envoie tes sujets de prière maintenant même où je parle au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07. Je me ferai fort bien de prier pour vous. Pasteur, il n'y a pas mariage. Pasteur, il n'y a pas travail. Pasteur, bébé ne vient pas dans mon ventre. Pasteur, il n'y a pas succès. Pasteur, il n'y a pas réussite. Tout ce que j'ai fait, c'est échec. Pasteur, je n'arrive pas à durer dans un foyer. Pasteur, je tourne en rond. Mon voyage est bloqué. Ma société ne marche pas. Mon magasin ne marche pas. Tout ce que je fais ne réussit pas. Pasteur, quand je dors, je me retrouve au village, toujours dans mes rêves. Je me retrouve à la maison familiale, toujours dans mes rêves, alors que je ne suis plus là-bas. Pasteur, quand je dors, je m'envole. Pasteur, quand je dors, je mange en rêve la nuit. Pasteur, je mange la viande, je bois du vin, je bois Bissap. C'est initiation à la sorcellerie. La viande que tu manges en rêve, c'est la chair humaine. Le vin et puis le Bissap, c'est le sang humain. Quelqu'un en train de t'initier à la sorcellerie. Pasteur, quand je dors, on me poursuit en rêve. Pasteur, quand je dors, je deviens lourd. Je vais crier, ma voix sort pas. Je vais bouger, je ne peux pas bouger. Pasteur, quand je dors, je m'envole. Pasteur, quand je dors, les animaux me mordent en rêve. Les animaux sauvages, les chiens, les serpents et autres. Pasteur, je souffre. Pasteur, je ne peux pas quitter la maison familiale. Pasteur, je travaille zéro économie. Je n'ai rien réalisé. Pasteur, je tourne en rond. Si tu te retrouves dedans, envoie tes sujets de prière au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je vais prier pour vous. La nuit quand tu dors, un esprit vient coucher avec toi, mari de nuit, femme de nuit. Et quand tu te réveilles, le matin, c'est la poisse. Tout ce qu'on t'a promis ne vient pas. Tu as déposé des dossiers partout. Pas d'embauche. Depuis que tu travailles, zéro réalisation. Tu n'as même pas épargné. Il n'y a rien en banque. Il n'y a rien à la maison. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Ça n'échoue. Ça ne réussit pas. Ça échoue seulement. Les autres réussissent. Toi, tu échoues. Là où on prend les gens, toi, on te laisse. Envoie tes sujets de prière maintenant même où je parle au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je vais prier pour vous par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom tout-puissant de Jésus, la maladie te fatigue, le sida, l'Ebola, comme on appelle ça, cancer, AVC, problème de peau, problème de cœur, ulcère, tout ce qui est plein sur ton corps, ça ne guérit pas, ça ne finit pas. Tu es toujours faible, anémié, hépatite A, hépatite B, hépatite virale, onchocercose. Toutes ces maladies sont dans ton corps. C'est une malédiction. C'est pourquoi, si tu te retrouves dans ce que j'ai dit, envoie des sujets de prière. Écris tes sujets de prière et envoie-les maintenant même au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64
68-32, je vais prier pour vous. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour être stérile. Dieu ne t'a pas créé pour être célibataire. Dieu ne t'a pas créé pour être malheureux, malheureuse. Dieu ne t'a pas créé pour que tu tournes en rond. Dieu ne t'a pas créé pour que tu meurs avant ton temps. Dieu ne t'a pas créé pour que tu regrettes d'être vivant. Tu regrettes d'être vivante. C'est une malédiction qui te suit. On te prend, on couche à toi et puis on te laisse. On te prend, on te donne l'enfant et puis après on te dit faut partir. Même dans mariage, même on t'abandonne. Il n'y a pas de paix dans le foyer. Monsieur ne peut plus rester madame. Madame ne peut plus rester monsieur. Tout est mélangé. Il n'y a pas tête, il n'y a pas queue. Quand tu fais un pas en avant, le lendemain tu fais 10 pas en arrière. Toi-même tu ne vois rien. Tu fais des rêves où tu ne te retrouves pas. Tu es en prison. Tu fais des rêves où tu es enfermé. Tu fais des rêves où tout est bloqué. Tu fais des rêves où tu amènes des gens étranges que tu ne connais pas. Tu fais des rêves où tu ramasses l'argent. Mais le matin, tu n'as rien. Or, dans le rêve, tu ramassais l'argent. C'est une malédiction qui est sur toi. Dieu te montre que tu es riche en rêve. Mais en réalité, les sorciers ont avalé ta bénédiction. C'est pourquoi si tu m'attends, ne dors pas. Envoie tes sujets de prière maintenant même. Au plus 225-08-01-65-07 ou au 05-64-78-32. Je vais prier pour vous. N'appelez pas d'abord, mais écrivez et envoyez vos sujets de prière. Parce que tant qu'il n'est pas fini de prêcher, le téléphone ne sera pas ouvert. Dieu me dit, tous ceux qui vont amener leur sujet de prière, pendant que je serai en train de prêcher, et tous ceux qui vont appeler après ma prédication, ils seront exaucés d'office. Dieu répondra à leur prière. Quelqu'un en train de dire, est-ce que SMS la même, Dieu peut répondre à ma prière par SMS. Laisse-moi te dire que la Bible dit, quelqu'un a fait du mal à la femme d'Abraham. Cette personne était roi d'un pays. Mais l'Éternel a dit, tu vas mourir. Parce que la femme que tu as prise, cette femme-là est mariée. Le roi a dit à Dieu, je ne savais pas. Parce que Abraham m'a trompé. Au lieu de dire c'est sa femme, il dit c'est sa soeur. C'est pourquoi je l'ai prise comme femme. Dieu dit, rends-la. Abraham priera pour toi. Il priera pour toi. Il priera pour toi. Et toi et ton royaume, vous serez guéris. Moi aussi, je vais prier pour vous. Et Jésus va vous délivrer. Et Jésus va vous guérir. Et Jésus va vous bénir. Et Jésus va vous sauver. Je n'ai pas besoin de te voir. Tu n'as pas besoin forcément de me voir. Mais la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible dit la parole de Dieu est vivante. Je libère la parole de Dieu par la puissance de l'Esprit et dans le nom tout puissant de Jésus. Et tu reçois ta délivrance. Dis Amen bien. Et tu reçois ta guérison. Et dis Amen bien. Et tu reçois ton déblocage. Et dis Amen bien. Et tu reçois ta bénédiction. Et dis Amen bien. Et tu reçois ton salut par la puissance de l'Esprit. Au nom tout puissant de Jésus, dis Amen bien. Écrase tes ennemis, dis Amen bien. Écrase les sorciers, dis Amen bien. Écrase les mystiques, dis Amen bien. Et écrase la montagne qui était devant toi. Envoyez vos sujets de prière au plus 225-08-01-65-07-08-01-65-07. Si depuis là, tu ne dors pas, si par hasard, tu es tombé sur mon émission, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose cette année pour toi. Je déclare que cette année ne passera pas. Tu rentres dans ton miracle, dis Amen bien. Je déclare que cette année ne passera pas. Tu vois la gloire de Dieu maintenant par la puissance de l'Esprit et dans le nom tout puissant de Jésus, dis Amen bien. Je déclare par la puissance de l'Esprit et dans le nom tout puissant de Jésus que le commerce que tu fais, l'activité que tu fais,
cette société que tu as, cette boutique commence à marcher par la puissance de l'Esprit et dans le nom tout puissant de Jésus. Je pensais que tu allais dire Amen fort. Je pensais que tu allais dire Amen fort. Je pensais que tu allais dire Amen fort. Dis Amen fort et rentre dans ton miracle. Dis Amen fort et rentre dans ta délivrance. Dis Amen fort et rentre dans ta guérison. Dis Amen fort et rentre dans ton déblocage. Dis Amen fort et rentre dans ta bénédiction. Dis Amen fort et rentre dans ton salut par la puissance de l'Esprit et dans le nom tout puissant de Jésus. Écoutez-moi bien, la Bible dit, Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. Et cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus seul est Dieu, Jésus seul est Seigneur, Jésus-Christ est Sauveur, Jésus-Christ est Maître, Jésus-Christ est le Rédempteur. Si tu crois en Jésus, tu ne vas pas regretter. Romains 10, verset 11, quiconque croit en Jésus ne sera pas déçu. Quiconque croit en Jésus ne sera pas confus. Il ne sera pas dans la confusion. Un homme était aveugle. Il a cru en Jésus. Il a crié encore plus fort. Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je veux voir de nouveau. Jésus dit, vois, ta foi t'a sauvé. Et cet homme a vu de nouveau. La Bible dit, il était dans la joie. Il suivait Jésus en criant de joie. Une femme souffrait d'une maladie depuis 12 ans. Elle allait voir tous les docteurs. La Bible dit, non seulement elle n'a pas été guérie, mais sa situation s'était empirée. Et la Bible dit, elle n'avait plus d'argent. Elle avait dépensé tout son argent. Mais cet homme, cet être, ce Dieu qui passait, qui a pris la forme humaine, qui passait sur la terre des Palestiniens, en Israël, elle a dit, si j'arrive à toucher, non pas son corps, mais son boubou seulement, je sais que je serai guéri. Quand elle a touché, sa maladie s'est arrêtée aussitôt. Et elle a senti qu'elle est guérie à l'instant. Et Jésus a dit, qui m'a touché? On dit, la foule te presse et tu demandes. Il dit, une onction est sortie de moi. Et ça ne sort pas comme ça. Si c'est sorti, c'est pour répondre à un besoin. Jésus veut répondre à un besoin ce soir. Jésus veut répondre à une prière ce soir. Et la femme, toute tremblante, s'est jetée à terre. Elle expliquait tout. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta guérison, ta délivrance, ta bénédiction, ton salut, ça ne dépend pas du pasteur, ça ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend de toi. Si tu crois, le sida sort de ton corps. Si tu crois, l'AVC disparaît. Si tu crois, le cancer disparaît. Si tu crois, la maladie sort de ton corps. Si tu crois, le bébé se pose dans ton ventre. Si tu crois, tu obtiens du travail dans la semaine qui vient. Si tu crois, ton visa sort. Si tu crois, tes clients reviennent. Si tu crois, ta société marche, ta boutique marche. Si tu crois, tu quittes la maison familiale. Ça dépend de toi. Marc 9, 23. Tout est possible pour celui qui croit. Marc 9, 23. Tout est possible pour celui qui croit. Marc 9, 23. Tout est possible pour celui qui croit. C'est pourquoi envoie tes sujets de prière maintenant même. Pendant que je parle au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je vais prier pour vous. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Écoutez, je vais vous annoncer avant de prêcher. Il va vous annoncer un grand événement. La fête de Pâques 2021. Nous avons 5 jours. Retenez bien. La publicité va passer tout à l'heure. Mais je vais parler d'abord avant que le spot ne passe. Nous avons 5 jours. À partir du mois prochain, le mois d'avril 2021, nous avons 5 jours. Nous allons célébrer et glorifier Jésus pendant 5 jours sur le terrain Vatican du petit marché de Marcory GFCI à côté du 9e commissariat de police et puis à côté de l'hôtel Conan Cro. Juste derrière le commissariat se retrouve le grand terrain de football au milieu du marché, le petit marché de Marcory GFCI. Donc, le programme se déroulera comme suite. Le 1er avril, c'est un jeudi. Donc, retenez, le jeudi 1er avril 2021, on a projection de film. On ne peut pas fêter la fête de Pâques
sans savoir qui est mort, pourquoi il est mort, comment il est mort et qu'est-ce qui l'a poussé à mourir pour nous. Donc, le 1er avril, de 20h à 22h, nous allons faire la projection de film Écran géant, La Passion du Christ. Venez sur le terrain Vatican pour regarder comment le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, a donné sa vie pour nous sauver, pour nous délivrer, nous guérir et nous bénir. Sa Majesté Jésus-Christ. Donc le jeudi, c'est projection de film. De 20h à 22h, La Passion du Christ. Le 1er avril, jeudi 1er avril 2021, de 20h à 22h, sur le terrain Vatican du Petit Marché de Marcory. Maintenant, après le jeudi, le vendredi qui vient, c'est le 2 avril 2021. On a la nuit de la guerre. Rappelez-vous que tous les premiers vendredis de chaque mois, on a la nuit de la guerre. Donc, après avoir regardé la Passion du Christ, le vendredi qui vient, nous avons la nuit de la guerre. Qu'est-ce à dire? C'est une veillée de prière où tout le monde vient en tenue de combat spirituel, en tenue de guerre, avec sa Bible en main, avec un balai et puis une bouteille d'huile pour combat spirituel, action prophétique. Cette huile va te permettre d'aller verser à la maison pour bénir ta maison, bénir ton magasin, ta boutique, ton commerce, ta société pour le mois d'avril. Parce que chaque mois, on bénit notre mois. Parce que le mois passé n'est plus le mois qui vient. Le mois qui vient n'est pas le mois qui va venir. Donc le balai, on va combattre les quatre points cardinaux, le nord, le sud, l'est, l'ouest. À chaque fois que nous combattons, il y a quelqu'un qui tombe ici dans le pays. À chaque fois que nous combattons, il y a un mystique, il y a un sorcier, il y a un fétichant qui tombe. Il y a au village et partout dans nos familles, quelqu'un tombe depuis la nation où quelqu'un tombe. C'est des temps de combat spirituel avec le balai pour détruire les œuvres du diable et ses suppôts. Donc le jeudi 1er avril 2021, de 20h à 22h, projection de film Écran géant sur la Passion du Christ au Petit Marché de Marcory sur le terrain Vatican. Marcory GFCI, terrain Vatican, près du 9e. Le vendredi 2, après la projection de film jeudi, le lendemain c'est vendredi, la nuit de la guerre, de 20h à l'aube sur le terrain Vatican, le même terrain, tout le monde en tenue de guerre, sa Bible, un balai et puis une bouteille d'huile pour prière et action prophétique. Maintenant le samedi, la veillée est finie le matin à l'aube, on s'en va dormir, on revient maintenant le samedi, ça c'est le 3 avril 2021, on revient maintenant pour un temps de louange. On va danser pendant 3 heures, de 18h à 21h sur le terrain Vatican. Le samedi, c'est spécial pas chant et danse, louange prophétique. On prêche pas, on vient, on danse, on chante, on loue. La Bible dit David est un grand roi, mais il s'est levé pour danser. On va danser pour le Seigneur. Quand David a dansé, il y a une femme qui s'est moquée de David. La Bible dit Dieu l'a rendu stérile. Les sorciers dansent, même les commis dansent. Nous allons louer le Seigneur. Le samedi, c'est 3 heures. On met des CD et puis on danse. Il y a des artistes qui vont venir. La chanteuse est rendue de Christ. Moi-même, ma femme, Biz Delight et plein d'autres artistes. On va danser le samedi 3 avril 2021. Ça commence à 18h, ça finit à 21h. Donc, le jeudi, c'est projection de film, La Passion du Christ, sur le terrain Vatican, de 20h à 22h. Le vendredi, c'est la nuit de la guerre, de 21h à l'aube, sur le terrain Vatican. Le samedi 3 avril 2021, c'est spécial louange. On va danser. Pendant que tu es en train de danser, tes ennemis vont tomber. Tu as dansé dans boîte de nuit, tu es arrivé où? Tu as dansé dans maquis, tu es arrivé où? Tu as dansé dans les soirées, les galas, les guiches, partout. Tu es arrivé où? Viens danser pour le Seigneur. On cherche les vrais danseurs, les grands danseurs pour le samedi. Oui, chez Dieu aussi, il y a la joie. Et le dimanche 4 avril 2021, c'est la fête de Pâques. Ça aura lieu sur le terrain. Retenez, les 4 jours auront lieu sur le terrain Vatican du Petit Marché de Marcory. Le culte va commencer à 9h et le culte va finir à 13h, 14h, 15h. On partage la nourriture. Il y a un agapé. Chacun va préparer. Moi-même, le pasteur Biz, j'ai dit à l'église, je donne 70 000 francs pour la préparation. On va manger parce que la fête de Pâques est au-dessus de la fête de Noël.
C'est au-dessus de la fête de tous ces. C'est au-dessus de la fête de, des amoureux. La Saint-Valentin. C'est au-dessus de toutes les fêtes du calendrier. Parce que Dieu a pris la forme humaine pour venir mourir et ressusciter pour sauver les hommes. Luc 1, Jean chapitre 10, le verset 18. Personne ne peut me tuer. C'est Jésus qui parle. Personne ne peut me tuer. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la récupérer. Moi-même, j'ai le pouvoir de mourir et puis j'ai le pouvoir de ressusciter. Quand il était, excusez-moi, quand il était dans le tombeau, personne n'est parti dire lève-toi. Personne n'est parti dire reçois. Personne n'est parti dire ressuscite. Lui seul, on a mis gros cailloux, on l'a mis dans le tombeau. On a roulé grosse pierre. Lui seul, il est sorti. Retiens bien, Jean chapitre 10, le verset 18. Faut jamais oublier. Jean 10, verset 18. Moi, Jésus, personne ne peut me tuer. J'ai le pouvoir de mourir et j'ai le pouvoir de ressusciter. Moi-même, c'est pourquoi je dis, le Dieu dit Amen fort. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Celui qui dit Amen. Jésus le fait ressusciter de toute sa situation et de tous ses problèmes. Dis Amen fort. Maintenant, le lundi est férié. Après le culte du dimanche au Vatican, le lundi de Pâques, le 5, c'est férié. Nous tous, on va à la plage. Inscription 1500. Et puis les gens de la plage ont demandé 1000 francs par tête. C'est-à-dire inscription 1500. Ça, c'est aller-retour. Maintenant, la plage qu'on a réservée, le propriétaire dit une tête à 1000 francs pour être sur sa plage. Parce que c'est un jour férié et il ne peut pas laisser les gens venir nager cadeau. Donc, ça fait 2500. 1500 aller-retour et 1000 francs pour ton droit d'aller à la plage. Et là-bas, nous allons encore nous réjouir avec un groupe électrogène, mettre des musiques, nager, jouer au football, les jeux, les sketchs, et puis bénir le nom du Seigneur, la nourriture. Et nous allons glorifier ainsi le roi des rois. Donc, retenez pour une dernière fois, la fête de Pâques aura lieu sur 5 jours. Cette fête de Pâques aura lieu le jeudi 1er avril, de 20h à 22h, projection de film La Passion du Christ. Le vendredi 2 avril, de 20h à l'aube, veillée de prière, la nuit de la guerre. Le samedi 3 avril, de 18h à 21h, spécial louange, pas et danse. Pendant 3h, on loue le Seigneur et les artistes invités, les grands artistes, les chants de la Côte d'Ivoire. On loue le Seigneur pendant 3h, de 18h à 21h. Et le dimanche, on vient faire le culte de la Pâque, dimanche 4 avril 2021. Tous ces programmes auront lieu sur le terrain Vatican du Petit Marché de Marcory GFCI. Quand on dit GFCI, c'est-à-dire groupement foncier. Marcory GFCI, derrière le 9e arrondissement de police, le commissariat, le 9e, ou derrière l'hôtel Conan Crow. Vous demandez le Petit Marché, juste au milieu, il y a un grand terrain de football, grand poteau. On appelle ce terrain Vatican. Nous serons là-bas du 1er jeudi jusqu'au dimanche. Et puis maintenant, pour la plage, rassemblement à l'église, au Temple du Lion de la tribu de Judas, à Koumassi. Et puis, on vient prendre un groupe encore au Petit Marché, le lundi matin, départ à 9h d'Abidjan. Retour à 18h, par la grâce et pour la gloire de Dieu. Je vais vous faire écouter le spot maintenant et je vais prêcher. N'oubliez pas d'envoyer vos sujets de prière au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Que Dieu nous bénisse. À l'occasion de la fête de Pâques 2021, la contradiction Moïse devant Serge et les lions de l'étroit de Judas organisent ces jours de l'amour, la vérité et la puissance éternelle de Jésus. Le 1er avril 2021, de 20h à 22h, projection de film chrétien sur la passion du Christ. Ce vendredi 2 avril 2021, de 20h à l'aube, la première édition de la nuit de la guerre contre les œuvres des ténèbres. Venez tous en tenue de guerre avec votre combat et balai, une bouteille d'huile d'onction pour prier et faire la spirituelle et action prophétique. Ça passe la main dans le 2021, de 18h
Il n'a pas passé, c'est pas la réunion. Du matin, je suis arrivé, c'est tout à l'heure. C'est bizarre. Le Seigneur, sa majesté, Jésus-Christ de Nazareth, avec un sois béni, mon guéri. Sans surprise, ce dimanche, Aristide, sois béni. La fête de Pâques 2021, de 9h à 15h, spécial culte d'adoration au Dieu vivant, d'où un repas vous sera servi après le culte. Thème, Jésus est vraiment ressuscité. Luc 24, verset 34. Attention, ces 4 jours de programme auront bel et bien lieu sur le terrain Vatican du petit marché de Marco du GFC, non loin du 9e arrondissement de police, suivi d'une sortie détente sur la plage de Bassam, dans l'onction et la puissance du Saint-Esprit, ce lundi 5 avril 2021, jour férié de la fête de Pâques. Le droit de participation pour la sortie détente est de 650 francs. Rassemblement toute la famille du palais de Marco, après ça, alors par la grâce et pour la gloire de Dieu, contact plus 225. 07 49 52 90 57 plus 225 07 49 40 05 04 plus 225 05 05 64 78 32. Bonne fête de Pâques à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. À tous, à vous. Amen. Et à 45 pour 50. C'est tout. Dès que le film est prêché, tu mets indication de l'église seul. Où il est dit nous sommes au temps du nom, lui seul. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Acclamons Jésus, le Dieu, le Seigneur et le roi de la Pâque. Alléluia. Bon, je vais prêcher. Continuez d'amener vos SMS, vos sujets de prière au plus 225 0801 65 07 ou au 05 64 78 32. Mon thème est tiré du livre d'Exode. Exode chapitre 3, à partir du verset 7. Exode chapitre 3, à partir du verset 7. Écoutez, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu sa souffrance et je suis venu pour le délivrer. J'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu sa souffrance et je suis venu pour le délivrer. Exode encore. Exode chapitre 6, à partir du verset 18, le Seigneur s'adressa encore à Moïse. Va dire à Pharaon de laisser sortir mon peuple. Va dire à Pharaon de laisser sortir mon peuple. Va dire à Pharaon de laisser sortir mon peuple. Que Dieu bénisse sa parole. On dit amen. Que Dieu bénisse sa parole. On dit amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. On dit amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien au nom tout-puissant de Jésus. On dit amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, vous devez savoir que un est le chiffre de Dieu. Il n'y a pas 3 dieux, il n'y a pas 4 dieux. Il y a un seul Dieu. C'est pourquoi un, c'est le chiffre de Dieu, car l'Éternel est un. Mais il est un et il se révèle à sa création sous 3 formes. La forme de la parole et la forme de l'esprit. La parole a pris la forme humaine, la parole de Dieu a pris la forme humaine et est devenue un bébé dans le ventre de Marie. Sinon, il n'y a pas 3 dieux, mais il y a un seul Dieu qui se révèle à sa création sous 3 formes distinctes. Il prend la forme du Père, arrivé au paradis, on le voit assis sur un trône, les anges l'adorent. Il prend aussi la forme de la parole. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et le verset 14 dit, la parole qui est Dieu est devenue un homme. Quand on dit devenu, ça veut dire que ce n'était pas un homme. Je reprends Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement, ça veut dire que les anges n'étaient même pas encore créés. La terre n'était pas encore créée. Rien n'était créé. Au commencement était la parole. Ah, la parole était là alors. Au commencement, Dieu n'a pas créé la parole, hein. Un homme ne crée pas sa parole. Il naît avec sa parole. Il existe avec sa parole. Donc la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Mais la parole était Dieu. La parole était Dieu. La parole était Dieu. La parole est avec, mais la parole est Dieu. Et le verset 14 de Jean 1 dit, la parole qui est Dieu est devenue un homme et a habité
parmi les hommes. Ésaïe, chapitre 7, le verset 14. Une vieille sera enceinte, elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec les hommes. Dieu au milieu des hommes. Dieu parmi les hommes. Donc, il n'y a pas trois dieux, mais il y a un seul Dieu qui se révèle aux hommes sous la forme du Père, de la parole et puis de l'Esprit. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu, moi-même qui parle dans mon corps et à mon esprit. Donc Dieu lui-même aussi, il a son esprit. Et c'est son esprit qui anime les prophètes d'avant et qui anime les chrétiens d'aujourd'hui. Quand quelqu'un dit, l'Esprit de Dieu me dit que tu t'appelles comme ça. L'Esprit de Dieu me dit que tu as voyagé, tu as te marié. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc Dieu n'est pas trois, mais il se révèle sous trois formes. La forme du Père, la forme du Fils. Sinon, quand on dit fils, c'est parce qu'il s'est fait bébé. Sinon, c'est la forme de la parole et la forme de l'esprit. Et ce Dieu-là a dit à Moïse, « Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et puis, j'ai vu sa souffrance. Dieu a des yeux. Dieu a des narines. Dieu a des oreilles. Dieu a une bouche. Dieu a des mains. Dieu a des pieds. Mais Dieu n'a pas de sexe parce qu'il a un esprit. » C'est pourquoi Jésus dit au paradis, il n'y a pas mariage. Les gens seront comme les anges. Voilà, il a pris la forme humaine pour sauver les hommes. Après, il a repris sa forme divine. C'est pourquoi Jésus dit au ciel, on ne se marie pas, on sera comme des anges. Parce que les esprits n'ont pas de sexe. Ils peuvent se métamorphoser, ils peuvent prendre la forme humaine, mais eux-mêmes à leur origine, ils n'ont pas de sexe. Écoutez-moi bien, Dieu a dit à Moïse, j'ai vu. C'est-à-dire, il a des yeux. Il dit, j'ai entendu. C'est-à-dire, il a des oreilles. Jésus dit, ne jurez pas par la terre, parce que Dieu a ses pieds là-dessus. Ne jurez pas par le ciel, parce qu'il est assis. Dieu a dit à Moïse, tu ne vas pas me voir de face, mais tu vas me voir de dos. C'est-à-dire, il a un dos. Ésaïe 66, il dit, le ciel et la terre, c'est ma main qui a pris, c'est ma main qui a fait le ciel et la terre que vous voyez. Et puis on dit, ainsi parle l'Éternel. Dieu parle. Les animaux aboient. Les animaux miaulent. Les animaux, comment on appelle ça, rugissent. Mais l'homme parle. Parce que Dieu parle. Dieu n'aboie pas. On était créé à son image. Nous, on n'aboie pas. On ne pousse pas des hennissements comme les chevaux. On ne barille pas comme les éléphants. On ne rugit pas comme des lions. On ne miaule pas comme les chats. Mais on parle parce que Dieu parle. La seule chose que Dieu n'a pas, il n'a pas de sexe. Dieu n'a pas de sexe, il est un esprit. C'est pour que Adam couche à Ève, que Dieu a mis le sexe. Donc Dieu dit, j'ai entendu. Je vais dire à quelqu'un que Dieu entend tes prières. Dieu entend ta souffrance. Dieu entend tes cris. Il dit, va dire à mon peuple, j'ai entendu sa prière et j'ai vu sa souffrance. J'ai entendu ses prières et j'ai vu sa souffrance. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu que tu n'es pas marié. Il sait. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu que bébé ne vient pas dans ton ventre. Il sait. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu pour dire que tu ne travailles pas. Il sait. Ton visa est bloqué. Il sait. Tu es malade. Tu es hospitalisé. Il sait. Dieu sait toutes choses. Mais c'est pour que toi-même, tu sois délivré, guéri, béni et sauvé. Il te demande de manifester ta foi en lui disant ton mal. En lui disant, sinon il sait. Quand l'aveugle est venu devant Jésus, Jésus sait qu'il est aveugle, mais il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu veut que toi-même tu parles. C'est pourquoi on voit tes sujets de prière. Maintenant même où je parle, au plus 225, 08, 01, 65, 07, 08, 01, 65, 07, ou au 05, 64, 78, 32, 05, 64, 78, 32. Je vais prier pour vous. Dieu nous a fait à sa propre image et à sa ressemblance. Nous ne nous déplaçons pas à quatre pattes comme les animaux. Nous ne nous déplaçons pas comme les singes. Mais nous nous arrêtons comme Dieu. Il est assis sur son trône. Il dit d'aller dire que lui, il entend tes prières. Il dit d'aller vous dire. Il entend vos prières.
et il voit votre souffrance. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu qu'on va t'opérer. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu que tu as le sida. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu que tu souffres d'hépatite, d'Ebola, d'AVC, de cancer. Mais il te demande de lui dire pour que toi-même tu saches que quand tu lui as dit, il t'a répondu par l'exaucement. Comment un aveugle peut demander à Dieu? Comment Jésus, qui est Dieu, peut demander à un aveugle, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais le Seigneur lui-même, il sait qu'il est aveugle, mais il veut que le gars parle. C'est pourquoi ne t'étais pas ton sujet de prière, parle. Écris ton sujet de prière, toi aussi. Envoie-le au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je vais prier pour vous. Écris tes sujets de prière. Il n'y a pas mariage, il n'y a pas enfant, il n'y a pas voyage, il n'y a pas travail, il n'y a pas santé, il n'y a pas la paix du cœur, il n'y a pas succès, il n'y a pas réussite. Tout ce que tu fais ne marche pas. Il n'y a pas promotion au travail. Le salaire ne monte pas. Il n'y a pas réalisation. Il n'y a pas épargne. Il n'y a rien. Zéro, zéro. Tu tournes en rond. Il n'y a pas construction. Il n'y a rien. Un pas en avant, 10 pas en arrière. Tu es bloqué. Et ta beauté, il n'y a pas mariage. Avec ton argent, il n'y a pas mariage. Personne ne peut rester à toi. Personne ne peut durer à toi. Envoie ta sujet de prière. Maintenant même où je parle. Au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Je vais prier pour vous. 1 est le chiffre de Dieu. C'est pourquoi 1 c'est le mois de janvier. 2 est le mois du témoignage. Dieu dit, si une seule personne parle, ne la croyez pas. Mais à partir de deux ou trois personnes qui rendent le même témoignage, commencez à croire. Le chiffre du témoignage, c'est 2. Ça, c'est le deuxième mois de l'année, février. 3, c'est le chiffre de la résurrection. Jésus est ressuscité le troisième jour. Et ça, c'est le mois de mars. Ce mois-là, dans lequel nous sommes. Mais avril, c'est le mois de la grâce. Non, janvier, février, mars, avril, c'est le mois de la lumière. Le quatrième mois, le mois de l'équilibre. Une voiture à quatre pneus, une chaise normale à quatre pieds. Pour qu'il y ait la stabilité, il faut le chiffre 4. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Devant Dieu, il y a quatre anges. Un ressemble à lion. La Bible dit, Apocalypse chapitre 4, un à figure de lion, un à figure de veau. L'enfant de taureau, l'enfant du bœuf. L'autre a figure d'un homme et l'autre a figure d'un nègre en plein vol. Et la Bible dit, ces quatre êtres vivants sont couverts d'yeux dedans et dehors. C'est-à-dire, il y a les yeux dehors et puis au-dedans d'eux. Et la Bible dit, ils ne cessent de chanter jour et nuit. C'est l'éternel Dieu Tout-Puissant. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Les quatre anges. Le quatrième mois est le mois d'avril. Ne jouez pas. C'est le mois de la lumière, car le quatrième jour, Dieu a créé le soleil, la lune, il a placé les étoiles. C'est dans ce mois-là que Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte et il dit considérez ce mois comme votre janvier. Je vais dire à quelqu'un qu'à partir du mois d'avril, c'est maintenant que l'année de Dieu commence. C'est maintenant même que la bénédiction de Dieu commence. C'est maintenant que le travail de Dieu commence. C'est maintenant que ta fécondité commence. C'est maintenant que ton voyage commence. Chez les Juifs, le janvier commence en avril. Et parce que c'est ce mois-là, ils sont sortis de l'Égypte. Dieu dit, considérez ce jour comme le premier jour de votre calendrier. C'est maintenant l'année va commencer. Rien n'est fini pour toi, mon frère. Rien n'est fini pour toi, ma soeur. C'est maintenant l'année va commencer. C'est pourquoi ne rate pas ces 5 jours que nous organisons à partir de ce mois d'avril 2021. Le jeudi, projection de film, 20h, 22h, sur le terrain Vatican du petit marché de Makori-Jersey. Le vendredi, la nuit de la guerre, de 20h à l'aube,
sur le terrain Vatican, tout le monde en tenue de guerre, sa Bible, un balai, et puis une bouteille d'huile pour prière d'action prophétique et combat spirituel. Le samedi, de 20h, de 18h à 21h, le samedi, de 18h à 21h, chant, louange, danse au roi des rois. On va danser pendant 3 heures. Il n'y a pas de prédication. On danse seulement pendant 3 heures. Les artistes vont venir chanter. On va danser. Tout ça, c'est sur le terrain Vatican du petit marché de Macori. Le samedi, c'est 18h, 21h. Et puis, le dimanche, le culte aura lieu dehors. Le podium sera dehors. Le grand podium que Dieu m'a permis de faire à 5 millions, il sera dehors. C'est sur le podium, on va faire tout ça. Et le dimanche, le culte aura lieu dehors, sur le terrain Vatican, du petit marché de Marcory, de 9h à 15h. On va manger, on va louer le Seigneur. Chacun vient avec son offrande, action de grâce, pour dire merci à Jésus d'avoir versé son sang. Moïse a sauvé le peuple d'Israël, mais Jésus a sauvé le monde entier. Ce jour-là, c'est une grande fête. Et le lundi, tout le monde est à 2500 pour aller à la plage. 1500 pour son aller-retour. Et les gens de la plage disent que c'est un jour de fête. Puis c'est férié. Donc, ils préfèrent laisser les gens nager cadeau. Une tête à 1000 francs. Mais les enfants ne payent pas. Donc, ça revient à 2500. Donc, les numéros que je donne à la radio, vous pouvez m'appeler. Les 5 jours pour Jésus, du 1er avril au 5 avril, le jeudi au lundi, nous serons sur le terrain Vatican. Et le lundi, nous partons à la plage. Qui a dit en Christ, il n'y a pas la joie? Qui a dit en Christ, on ne s'amuse pas? Qui a dit en Christ, on ne se réjouit pas? C'est pourquoi je veux te dire, le mois d'avril est le 4e mois, le mois de la lumière. C'est le 4e jour que Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. C'est à 4h du matin que Jésus a marché sur l'eau pour venir rejoindre ses disciples. Devant Dieu, il y a 4 anges. C'est le chiffre de l'équilibre. La voiture a besoin de 4 roues pour être équilibrée. La chaise a besoin de 4 pieds. Dieu va t'équilibrer à partir de ce mois d'avril. C'est pourquoi envoie tes messages maintenant même au plus 225 08 01 65 07 08 01 65 07 05 64 78 32 05 64 78 32. Voilà mon mot de fin. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. C'est à partir de ce mois que Dieu va te laisser partir. Dieu va te libérer. Jésus va te guérir. Jésus va te bénir. Parce que le Pharaon de ta famille, le Pharaon de ta vie, le pharaon de ton pays, le pharaon de ton quartier doit te laisser partir. Te laisser partir dans ton mariage. Te laisser partir dans ta fécondité. Te laisser partir dans ton travail. Te laisser partir dans ton voyage. Te laisser partir dans ta guérison. Te laisser partir dans ta maison. Te laisser partir dans ta gloire et dans ton salut en Jésus-Christ. Car il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par Dieu par lequel nous serons sauvés. Jésus est le seul qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est Sauveur. Jésus est Maître. Jésus est Roi. Jésus est Juge. Jésus est Juste. Jésus est Saint. C'est pourquoi il dit à partir de ce mois qui vient, dites à Pharaon de laisser partir ma fille qui m'entend. Dites à Pharaon de laisser partir mon fils qui m'écoute. Dites à Pharaon, dites aux sorciers de libérer le ventre de cette femme, de libérer le travail de cet homme. Dites aux sorciers de libérer la bénédiction de cette personne. Ne jouez pas avec le mois d'avril et ne manquez pas les 5 jours de prière. Le jeudi 1er avril jusqu'au lundi, nous serons au Vatican et le lundi, nous partons à la plage pour nous amuser et nous réjouir dans la présence de Dieu. C'est pourquoi mets ta main là où tu as mal. Au nom de Jésus, j'ordonne à ton pharaon de laisser ton bébé venir maintenant dans ton ventre par la puissance de l'Esprit. Au nom tout puissant de Jésus, dis amen fort. Amen. J'ordonne à ton pharaon de laisser ta bague de mariage, ta robe de mariage, ton costume de mariage, de laisser maintenant ton mariage venir à toi. Au nom tout puissant de Jésus, dis amen. Amen. J'ordonne à Pharaon
d'enlever les maladies qu'il a mis dans ton corps. Sida sort, cancer sort, AVC sort, maladie de peau sort, maladie de sang sort, blessure, le corps qui ne guérit pas, qui finit jamais, cicatrise-toi et sèche au nom tout puissant de Jésus. Visa de quelqu'un sort, mariage de quelqu'un sort, santé de quelqu'un sort, travail de quelqu'un sort, promotion de quelqu'un sort, succès de quelqu'un sort, réussite de quelqu'un sortez. Que ce qu'on a bloqué, ce qu'on a enterré en sorcellerie depuis le village, quel que soit le lieu où on a enterré ta grâce, je libère au nom tout puissant de Jésus. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser sortir mon peuple. Je suis venu dire au ciel de ton pays de libérer ta grâce. Je suis venu dire à la terre de ton pays de libérer ta grâce. Je suis venu dire à la mer de ton pays de libérer ta grâce par la puissance de l'esprit. Au nom tout puissant de Jésus. Je pensais que tu allais dire amen fort. Je pensais que tu allais dire amen fort. Je pensais que tu allais dire amen fort. Celui qui dit amen fort, il sort de l'Égypte. Il sort de la souffrance. Amen. Il sort des Canaries. Amen. Il sort des calebasses. Amen. Il sort des cadenas. Amen. Je brise la malédiction. Au nom tout puissant de Jésus. Tu es belle, mais tu tournes rond. Tu as l'argent, mais tu tournes rond. Tu es beau, mais tu ne peux pas te marier. L'argent est dans ta main, mais tu ne peux pas réaliser. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je brise la malédiction par la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus, sors des Canaries, sors des calebasses, sors des cadenas, sors des cimetières, sors des montagnes, sors des forêts, sors du lieu où on t'a mis, en sorcellerie, en maraboutage, en mysticisme, par la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus, celui qui dit cette fois amen, ça va arriver. Amen, 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 amen. 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 Pousse ta cri de joie et acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Écoutez le lieu, le spot qui va vous indiquer le lieu où on prie le dimanche. Nous sommes le temple du lion de la tribu de Juda. Nous sommes à Commencican Commando, carrefour Petit Marché. Je dis bien Commencican Commando, vous demandez le carrefour du Petit Marché. Petit Marché de Commencican. Arrivez au carrefour, ce qui va vous montrer que vous êtes bel et bien au carrefour. Vous allez voir la pharmacie de Bétanie, s'appelle Bétanie. Longez la ruelle de la pharmacie de Bétanie jusqu'au Martin Baoulé. Nous sommes en face, en hauteur. La seule église en hauteur. Commencez par le carrefour Petit Marché. En hauteur, face au Maki Maolé Kedjimo. Le premier dimanche du mois, dès qu'on a fait un nouveau mois, le premier dimanche, c'est un seul culte. Toutes les églises viennent se réunir et nous faisons un seul culte de 9h à 13h. Les autres dimanches du mois, après le premier dimanche, les autres dimanches, c'est 3 cultes. Le premier culte commence à 9h et finit à 10h30. Le deuxième culte commence à 10h30 et finit à midi. Et le dernier culte commence à midi et finit à 13h30. Temple de Jésus, le lion de la tribu de Juda. Je reçois tous les mercredis, tous les jeudis et tous les vendredis. À partir de 15h, je suis au bureau à l'église. Je reçois sous rendez-vous avant de venir appeler moi. Mercredi, jeudi, vendredi, je reçois. Mercredi, à partir de 15h, je reçois. Appelez-moi avant de venir au 0801-6507, au 0564-7832. Toute la gloire à Dieu, le Père, par la puissance de l'Esprit, au nom tout puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Le téléphone est ouvert. On va prier maintenant pour vous. Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et j'ai vu sa souffrance. Si tu crois que vraiment tu souffres, si tu crois que tu pousses des cris de détresse, l'Éternel voit, mais il veut que tu cries. Il veut que tu cries à lui. Et quand il va te répondre, tu sauras qu'il est Dieu. Sinon, comment sauras-tu qui t'a répondu si tu n'as pas parlé? Envoie maintenant ton sujet de prière au 0801-6507. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez maintenant appeler. Je vais prier pour vous au nom tout puissant de Jésus. 0801-6507. Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, soyez bénis très cher. Bonjour. Votre nom et votre commune. Amen.
Votre nom et votre commune. Votre nom, votre nom et puis votre commune. Votre nom. Vous appelez de quelle commune? Ok, il boulait. Quelle est votre préoccupation? Ok, mets ta main droite sur ta tête. Mets ta main droite sur ta tête. Mets ta main droite sur ta tête. Au nom tout puissant de Jésus, je libère ta femme, ta vraie femme. Et je libère aussi tes bénédictions. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Amen. La grâce de Dieu est sur ta vie. Sois béni. Et prépare-toi pour les 5 jours de la fête des Pâques. Sois béni. 08-01-65-07. 08-01-65-07. Ou au 05-64-78-32. Le téléphone est ouvert. Oui, allô? Allô? 08-01-65-07. 08-01-65-07. Ou au 05-64-78-32. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez appeler. On va prier pour vous en direct. Jésus est Seigneur et Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur et il est Dieu. Oui, allô? 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 Oui, soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune. Comment tu t'appelles? Votre nom et votre commune. Ok, vous appelez de quelle commune? Ok, quelle est votre préoccupation? Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous? C'est pour quoi? Ok, mets ta main sur ta poitrine. On ne t'entend pas bien. Mets ta main sur ta poitrine. Au nom tout puissant de Jésus, je relâche l'exaucement de ton sujet de prière. Au nom de Jésus, reçois ce que tu as demandé à Dieu et sois guéri au nom de Jésus. Dis Amen fort. Amen. La main de Dieu est sur toi. Prépare-toi pour les 5 jours de programme. En avril, 08-01-65-07, 08-01-65-07, ou 05-64-78-32, 05-64-78-32. Oui, allô? Allô? Oui, allô, soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune? Mon nom, c'est Assis-Christ. Ok, vous appelez de quelle commune? Quelle est votre préoccupation? L'esprit de mort a contrôlé ma famille. L'esprit de mort. Et comment tu sens ça? Parce que déjà, j'ai perdu mon grand frère. Yako. Un accident de cyclone. Yako, non, c'est la sorcellerie. Faut même pas penser que c'est Dieu qui l'a pris. Ils ont commencé à vous finir. Mets ta main droite sur ta tête. Au nom tout puissant de Jésus, j'arrête l'esprit de mort et j'arrête le tueur. Que cette confrérie la soit démasquée et qu'à partir d'aujourd'hui la mort retourne sur eux-mêmes par la puissance de l'esprit au nom tout puissant de Jésus. Dis Amen fort. Amen. Je brise le pouvoir de la mort sur ta vie. Dis Amen fort. Amen. Prépare-toi pour les 5 jours de programme de Pâques. Sois béni. Amen, amen. Je vous appellerai au matin. Il n'y a pas de problème. Soyez béni. 08-01-65-07 08-01-65-07 ou au 05-64-78-32 05-64-78-32. Le téléphone est ouvert. Nous allons prier pour vous. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend, qui pleure? Est-ce que quelqu'un souffre? Allô? Allô? Oui, soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune. Mon nom est Béa. Béa de quelle commune? Sikoji. Sikoji de où? Sikoji Makori. Sikoji, quelle est ta préoccupation? Ma préoccupation de parce que je vais les rappeler au Je n'ai rien compris, ma fille. Ta préoccupation, c'est quoi? J'ai entendu maison, boulot. Non,
Tu veux un coin pour commencer? Ok, mets ta main droite sur ta tête. Là où c'est caché, j'ordonne que tes yeux voient. Là où c'est caché, que tes pieds te dirigent là-bas. Un bon lieu où tu auras beaucoup de clients. Clientes. Oh non, tout puissant de Jésus. Dis amen bien. Amen. La main de Dieu est sur toi. Prépare-toi pour le programme. Les 5 jours de Pâques. Sois béni. Amen. 08-01-65-07. 08-01-65-07. Ou au 05-64-78-32. 05-64-78-32. Le téléphone est ouvert. Nous allons prier pour vous. Est-ce que quelqu'un souffre ce soir? Est-ce que quelqu'un pleure ce soir? L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Si tu souffres, si tu pleures, si tu tournes en rond, si tu as besoin d'un sujet de prière, envoie tes sujets de prière. Maintenant même où je parle, au 08-01-65-07. 08-01-65. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir mon frère, sois béni très cher. Ton nom est ta commune. Je m'appelle Guy, je suis à Cocody. Ok, Guy, quelle est ta préoccupation? Bon, j'ai fait un retrait un jour à la banque là, mais c'est pas venu, ils ont coupé. Et ils m'ont dit qu'ils allaient là, mais je suis parti là-bas, mais c'est toujours la même chose. Ok, si, si, oui. Si je fais les mauvais rêves, et si ils sont souvent poursuivis en rêve. Ok, mets ta main droite sur ta tête. Je vais faire une prière pour toi. Si ton argent sort, il faut faire une action pour dire merci à Dieu. Il faut le remercier avec une action que Dieu te mettra à cœur. Au nom de Jésus, vomissez l'argent de cet homme. Et j'ordonne que vous qui êtes derrière lui, que Dieu lui montre un rêve. Vous qui êtes derrière lui, je vous ordonne de le libérer au nom de Jésus. Dis amen bien. Amen. Le Seigneur te libère. Sois béni. Amen. N'oublie pas de faire ton action et puis de venir aux 5 jours de programme. Sois béni. 08-01-65-07. 08-01-65-07. Ou au 05-64-78-32. Oui, allô? Oui, allô? Oui, soyez béni très cher. Votre nom et votre commune. Allô? Oui, allô, soyez béni. Votre nom et votre commune. Allô. Oui, votre nom et votre commune. Ama. Ama de quelle commune? André. Soyez béni. Quelle est votre préoccupation? Mon préoccupation, là. Mes parents sont venus de la famille, ils ne peuvent pas me regarder. Si un masque. Écoute-moi bien. Si un masque sur toi, comment on peut t'appeler? Si on a mis un esprit pour cacher ta figure, un esprit pour cacher ta bénédiction, comment ils vont t'appeler? C'est la sorcellerie. Mais je vais prier pour toi, ils vont se rappeler de toi. Mets ta main sur ta figure. Au nom tout puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je rachète ton voyage. Je libère ton voyage. Je libère ta bénédiction. Je libère ta grâce. J'ouvre le ciel sur ta tête au nom de Jésus. Dis amen fort. Amen. La main de Dieu est sur toi. À partir d'aujourd'hui, tu vas voir la gloire de Dieu. Dis amen. Amen. Cherche à te préparer pour les 5 jours de Pâques. Sois béni. 08-01-65-07. 08-01-65-07. Oui, allô? Allô, oui, soyez bénis très cher. Bonsoir. Votre nom et votre commune? La Déborah. Déborah, de quelle commune? Macori. Macori, quelle est votre préoccupation? En fait, le problème n'est pas de moi, mais c'est de ma mère. Oui? Elle est beaucoup attaquée, plus, en deux mères, j'ai tous les paradis. Voilà. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Anne-Sélévie. Tu n'as jamais donné son sujet ici? Non. Ok, mets ta main droite sur ta tête. Comme tu dis, c'est ta maman, j'ai prié pour toi, elle les reçoit. Maman Célestine, que tes péchés te soient pardonnés. Lève-toi et que cet AVC qu'on veut te lancer, qu'il retourne à celui qui veut t'envoyer, à celle qui veut t'envoyer. Au nom de Jésus, dis trois fois Amen pour ta mère.
Dis trois fois Amen pour ta mère. Amen. La main de Dieu est sur vous. Préparez-vous, on sera au Vatican du jeudi 1er jusqu'au dimanche de Pâques. Soyez bénis. Amen. 08 01 65 07 08 01 65 07. Le téléphone est ouvert. Nous allons prier pour vous. Oui, allô? Soyez bénis, très cher. Bonjour, ma fille. Votre nom et votre commune? Bernadette, de quelle commune? Yopougon. Quelle est ta préoccupation? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse de toi? Elle est partie. Je prie pour toi, Bernadette. Ce que tu as voulu demander à Dieu, que Dieu te l'accorde au nom tout-puissant de Jésus. Dis Amen là-bas et prépare-toi pour les 5 jours de programme au Vatican. 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, soyez bénis, très cher. Votre nom et votre commune? Moi, c'est Miss Marie. Ok, de quelle commune? Tu appelles de San Pedro. Waouh, la radio va vraiment loin. Quelle est ta préoccupation? Je veux que vous priez pour moi, pour mon mari. C'est quoi? Tu n'es pas marié? Tu n'es pas marié ou bien tu vis à quelqu'un qui n'est pas encore marié? Mais je suis encore marié. Ok, mets ta main droite sur ta tête. En ma qualité d'apôtre, j'ouvre le ciel du mariage sur ta vie et je brise la malédiction qui planait sur ta famille. Au nom tout-puissant de Jésus, dis Amen bien. Amen. La grâce de Dieu avec toi. Tu vas voir, tu vas te marier. Tu as dit l'apôtre des nations avait dit ça. Cherche à venir à la veillée de Pâques à Abidjan. Cherche à venir, ça va te faire du bien. Que Dieu te bénisse. Amen. 08 01 65 07. 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Oui, allô? Allô? Oui, soyez bénis, très cher. Votre nom et votre commune? Ok, de quelle commune? Thierry, quoi, il y a une femme qui a appelé qui veut se marier. Si elle peut te marier, tu veux que la gâte te marie? Soumaïla Kwaku, se sent pas bien. Faut pas le faire rire. Donc, attends, la femme qui a appelé là, de dire qu'elle a qu'à te marier. Bon, je ne sais pas comment on fait. Où on a trouvé son numéro? Bon, reçois ton mari. Madame, il dit qu'il cherche un mari. Et il dit qu'il cherche une femme. Si tu peux le marier, faut le marier. Sois béni. Oui, allô? Allô, oui. Oui, soyez béni, très cher. Votre nom et votre commune? Salut, Philippe. Ok, de quelle commune? C'est Kourou. Soyez bénis. Quelle est votre préoccupation? Mon occupation. J'ai entendu ma préoccupation et puis le reste, on n'a rien compris. Oui. Que Dieu décante ta situation. Oui, et ma santé. Et puis ta santé. Mets ta main sur ton cœur. Au nom tout-puissant de Jésus, je brise la malédiction qui planait sur toi. Que ta situation se décante et que tout ce qui est forme de maladie, de malaise te quitte. Reçois ta guérison, reçois la bénédiction. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Amen. La main de Dieu avec toi. Prépare-toi pour le programme de Pâques. Sois béni. 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Un appel ce soir peut changer ta situation. Un appel téléphonique peut changer les dents, car Jésus-Christ est le même hier, Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Oui, allô?
Oui, allô, soyez béni. Allô, allô, soyez béni, très cher. Votre nom et votre commune. Votre nom et votre commune. Ah, moi, c'est Marina. Marina, de quelle commune? Commune de quoi? De Koubon. Yopougon, ton chéri à côté de toi? Oui, j'ai entendu la voix de quelqu'un qui dit ils ont décroché, il faut parler. Sois béni. Quelle est ta préoccupation? Marina, il faut parler comme une femme. Qu'est-ce que tu veux? Il n'a rien compris. Ta grossesse. Attaqué. Ah, ta grossesse est attaquée. Combien de mois? Ok, mets ta main droite sur ton ventre. Dans le nom tout-puissant de Jésus, j'enlève la main noire de la sorcellerie et de la mort. Bébé, je t'ordonne de sortir en paix. Tu ne fatigues ni ta maman, ni elle-même. Au nom tout-puissant de Jésus, sors en paix. Au nom de Jésus, dis ta main fort trois fois. Amen, amen. À partir d'aujourd'hui, la main de Dieu est sur vous. Soyez bénis. Préparez-vous pour le programme du Pâques. Que Dieu vous bénisse. 08-01-65-07. 08-01-65-07. Ou au 05-64-78-32. 05-64-78-32. Je vais prier pour vous. Oui, allô? Oui, soyez béni, très cher. Votre nom et votre commune. Ok. Quelle est votre préoccupation? Problème de yeux. Mets ta main sur tes yeux. Et pendant que je prie, garde ta main sur tes yeux. Seigneur, pardonne-lui ses péchés. Reçois le sang de l'agneau dans tes yeux. Et que tout ce qui est forme de cécité, tout ce qui est problème, Dieu te quitte. Sois guéri, sois libéré au nom tout puissant de Jésus. Dis amen fort. Amen. Que Dieu te bénisse. 08-01-65-07. 08-01-65-07. Ou au 05-64-78-32. 05. Oui, allô? Allô? Soyez béni, très cher. Votre nom et votre commune. Moi, je suis Yopougon. Ok, Yopougon. Quelle est votre préoccupation? Mets ta main droite sur ta tête. Si tu es sûr devant le Seigneur que tu n'as rien fait, on va te rappeler. On va t'appeler. Si tu es sûr que tu n'as rien fait, on va t'appeler. J'ordonne que la porte s'ouvre et qu'on te rappelle. Maintenant, même avant la fin de ce mois, au nom de Jésus, dis amen fort. La main de Dieu est sur toi. Préparez-vous pour le programme de la Pâque. Sois béni. 08-01-65-07. 08-01-65-07. Ou 05-64-78-32. 05-64-78-32. Appelez, le téléphone est ouvert. Nous allons prier pour vous. Jésus n'est pas mort. Il est sorti du tombeau. C'est le mois de ta résurrection. C'est le mois de ton miracle. C'est le mois de ta guérison. Allô? Allô, pasteur. Soyez béni, très cher. Votre nom et votre commune. Oui, bonsoir. Votre nom et votre commune. Oui, je m'appelle Mathias. Mathias, de quelle commune? Mathias, à la commune de Cocody. Cocody, quelle est votre préoccupation? Ah, pasteur, vraiment. Ok, mets ta main droite sur ta tête. Quand Dieu va commencer à te bénir, il faut payer ta dîme au Seigneur. À partir d'aujourd'hui, j'arrête le fait que tu tournes en rond, je t'arrête. J'arrête cette malédiction qui planait sur toi. Et je proclame ta gloire et ton succès par la puissance de l'Esprit. Au nom tout puissant de Jésus, dis amen fort. Amen.
Amen. Que Dieu te bénisse. Tu es béni, mon frère. Prépare-toi pour la fête de Pâques. Au nom du puissant de Jésus, sois béni. 08 01 65 07 08 01 65 07 ou au 05 64 78 32 05 64 78 32. Un seul appel de toi peut changer ta situation. Un seul appel de toi, Jésus peut changer ta situation. Un seul appel de toi et tes problèmes sont finis. Parce que Jésus est Dieu. Oui, allô? Jésus est Dieu. Un seul appel de toi peut changer la donne. Il te suffit de composer le 05 64 78 32. 05 64 78 32. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Une femme âgée, peut-être de 60 ans, 68 ans, elle est là, légèrement des cheveux blancs. Le Seigneur est en train de te dire, il faut appeler. Ton problème de santé, ton problème de cœur, Jésus veut te guérir. Une femme qui a la soixantaine, entre 60 et 68 ans, cheveux légèrement blancs, le Seigneur veut te guérir. Problème de santé, problème de cœur. Je ne sais pas si tu es marié, mais je te vois seul. La main du Seigneur est sur toi. Si tu as unité à paix, Jésus va te délivrer, te guérir. 0801 65 07 08 01 65 07 ou 05 64 78 32 05 64 78 32. Je vais prier pour vous. Oui, allô? Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Soyez bénis très cher. Votre nom et votre commune. De quelle commune? Ok, soyez bénis. Quelle est votre préoccupation? Plein de ventre te fatigue. Mets ta main sur ton ventre. Au nom tout puissant de Jésus, plein de ventre, je t'en donne de guérir. Je t'en donne de les libérer. Au nom tout puissant de Jésus, dis amen bien. Amen. Pendant que je priais pour toi, j'ai entendu la voix de Dieu. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Tu vas retourner au travail. Sois béni. Oui. N'oublie pas le programme de Pâques en avril. Sois béni. 08, 01. Il nous reste 6 minutes, 5 minutes. Le code dit 4 minutes pour terminer l'émission. 4 minutes, 4 minutes pour terminer l'émission. 4 minutes. 08, 01, 65, 07, 08, 01. 65 07 ou 05 64 78 32 05 64 78 32. Je vais prier pour vous au nom de Jésus. Il reste 4 minutes. Lève-toi et appelle et tu vas recevoir ta grâce. Jésus est vivant. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Il est le Sauveur. Lève-toi et appelle et tu vas recevoir la grâce de Dieu. Waouh! Ils ont appelé. Ils ont appelé quand même un peu. Faut commencer à donner les informations sur le programme. C'est long, hein? Ça m'est passé. Viens ici. Attends-moi ici avec les spaghettis qui parlent dans ma tête. Maman, le sport, et puis on revient à toi. Le sport, et puis on revient à toi. Voilà. Comment tu as bien laissé? Je vais réfléchir un peu. Voilà. De la fête de Pâques 2022, l'apôtre des Nations, Louis Yvon Serge et les Lions de l'être humilié Judas organisent un séjour de l'amour, la vérité et la puissance éternelle de Jésus.
au programme. Ce jeudi 1er avril 2021, de 20h à 22h, projection de films chrétiens sur la passion du Christ. Ce vendredi 2 avril 2021, de 20h à l'aube, la 3e édition de la nuit de la guerre contre les œuvres des ténèbres. Venez tous en tenue de guerre avec votre Bible, un balai, une bouteille d'huile d'onction, prière de combat spirituel et action prophétique. Ce samedi 3 avril 2021, de 18h à 21h, 3 heures de chant, de danse et de louange prophétique au roi des rois et seigneur des seigneurs, sa majesté Jésus-Christ de Nazareth, avec des chanteurs et artistes surprises. Ce dimanche 4 avril, de la fête de Pâques 2021, de 9h à 15h, spécial culte d'adoration au Dieu vivant, dont un repas vous sera servi après le culte. Thème, Jésus est vraiment ressuscité. Luc 24, verset 34. Attention, ces 4 jours de programme auront bel et bien lieu sur le terrain Vatican du petit marché de marque du GFCI, non loin du 9e arrondissement de police, suivi d'une sortie détente sur la plage de Bassam, dans l'onction et la puissance du Saint-Esprit, ce lundi 5 avril 2021, jour férié de la fête de Pâques. Le droit de participation pour la sortie détente est de 1500 francs CFA. Rassemblement au terrain Vatican du petit marché de marque à 9h, retour à 18h, par la grâce et pour la gloire de Dieu. Contact, plus 225. 07 49 52 90 57 plus 225 07 49 40 05 04 plus 225 05 05 64 78 32. Bonne fête de Pâques à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes le temple du lion de la tribu de Juda. Nous sommes à Koumansikan Commando Carrefour Petit Marché. Il a dit bien Koumansikan Commando, vous demandez le carrefour du Petit Marché. Petit Marché de Koumansi. Arrivez au carrefour, ce qui va vous montrer que vous êtes bel et bien au carrefour. Vous allez voir la pharmacie Bethany. La pharmacie s'appelle Bethany. Longez la ruelle de la pharmacie Bethany jusqu'au Maki Maoule Kejebo. Nous sommes en face, en hauteur. La seule église en hauteur. Commencez comme commando, carrefour petit marché, derrière la pharmacie de Bethany, en hauteur, face au Maki Maoule Kejimbo. Le premier dimanche du mois, dès qu'on atteint un nouveau mois, le premier dimanche, c'est un seul culte. Toutes les églises viennent se réunir et nous faisons un seul culte de 9h à 13h. Les autres dimanches du mois, après le premier dimanche, les autres dimanches, c'est 3 cultes. Le premier culte commence à 9h et finit à 10h30. Le deuxième culte commence à 10h30, il finit à midi. Et le dernier culte commence à midi, il finit à 13h30. Comme de Jésus, le lion de la tribu de Juda. Je le fais tous les mercredis, tous les jeudis et tous les vendredis. À partir de 15h, je suis au bureau à l'église. Je reçois sous rendez-vous avant de venir appeler moi. Mercredi, jeudi, vendredi, je reçois. Mercredi, à partir de 15h, je reçois. Appelez-moi avant de venir au 0801-6507, au 0564-7832. Toute la gloire à Dieu, le Père, par la puissance de l'Esprit, au nom tout puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il faut dire que je suis en train de donner aussi un séminaire sur le mariage actuellement à l'église. On a commencé hier, aujourd'hui, jeudi, et puis vendredi. On a deuxième jour du séminaire. Voilà, donc je serai au bureau par la grâce de Dieu à partir de 15h. Celui qui veut voir l'apôtre des nations. Oui, oui, allô? Allô, bonsoir, papa. Soyez béni, très cher. Votre nom et votre commune. Papa, je m'appelle Denis Banzi. Vous êtes de Benjerville. Soyez béni, Geneva. Quelle est votre préoccupation? Papa, je vais vous prier pour moi. Priez ne pas dans ma vie, papa. Tout est mélangé. Papa, j'ai un problème de suicidation. Je ne suis pas mariée. Ah, c'est pas... c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Mets ta main droite sur ta tête. J'espère que c'est pas de toi il parlait. Il dit une femme de 60 ans. mets ta main sur ta tête. Geneva, tu crois que Jésus est Seigneur? Oui, tu crois qu'il est Dieu? Oui, papa. À partir d'aujourd'hui, je déclare que c'est ta dernière année de souffrir. C'est ta dernière année de célibat. C'est ta dernière année de pauvreté et de blocage.
Au nom tout puissant de Jésus, Amen. Je te débarrasse de ta honte. Amen. Que tout ce qui faisait ta honte te quitte. Au nom de Jésus. Amen. Tu es libéré, tu es guéri au nom Amen. Tout puissant de Jésus. Dis Amen fort. Amen, papa. Faut te préparer pour le mois de Pâques. Il y a une grande veillée. Faut venir. Et puis, faut garder mon Amen. Numéro pour m'appeler de temps en temps. Sois béni, Jérémie. Amen, papa. 08-01-6507. 08-01-6507 ou au 05-64-78-32. 05-64-78-32. J'étais en train de dire que j'étais en train de donner. Je suis en train de donner un séminaire sur le mariage. J'enseigne le mariage actuellement à l'église. C'est les prières du soir, mercredi, jeudi, vendredi, de 20h à 21h45. Oui, allô? Soyez bénis très cher. L'émission tire à sa fin. Il reste une minute. On va aller rapidement. Quel est votre nom et votre sujet de votre commune? Je m'appelle Eric. Eric de quelle commune? Quelle commune? De Ok, quelle est votre préoccupation? Papa, je veux que je ne. Ta vie est mélangée. Mets ta main droite sur ta tête. 08-01-6507. 08-01-6507. Au nom tout puissant. Quelqu'un m'a demandé le numéro pour appeler sur Internet. Je me suis trompé. Monsieur, reçois ta délivrance. Reçois ton déblocage financier. Au nom tout puissant de Jésus. Dis Amen trois fois et reçois. Amen, amen, amen. Tu m'excuses, hein? Quelqu'un m'a demandé sur Internet le numéro de la radio. Reçois ton miracle à partir d'aujourd'hui, c'est fait. Au nom de Jésus, dis Amen bien. Amen. Voilà, donc, vous pouvez m'appeler hors antenne. Voilà, vous pouvez m'appeler hors antenne. Quand l'émission va finir, vous pouvez m'appeler au 0801-6507. 0801-6507 ou au 05-64-78-32. 05-64-78-32. Je serai au bureau à partir de 15h, 16h. Là, mais il faut parler. Je serai au bureau à partir de 15h, 16h. Vous m'appelez avant de venir. Et je suis en train de donner un séminaire sur le mariage de 20h à 21h45. Et puis tous les samedis aussi, je prêche de 22h30 à minuit sur cette radio 92.8. Je vous aime, que toute la gloire revienne au Père. Je ferme le ciel à l'ennemi. Au nom tout puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus par l'Esprit. Amen. Même les malades, ils prennent soin de la vie. La falaise araignée qui est cachée. Un sorcier. Falaise araignée. De la fête de Pâques 2022, la contemplation de Pâques prononcée et les lions de l'être humain de Judas organisent un séjour de l'amour, la vérité et la justice éternelle. Si tu arrêtes, tu mens. On est bon, ne faut pas jouer. Au programme, ce jeudi 1er avril 2022, 20h à 22h, projection de films chrétiens sur la passion.